Aux dernières nouvelles, le gardien titulaire de Manchester United serait déjà en Côte d'Ivoire pour le début effectif de la CAN côté camerounais. Nous rappelons qu'André Onana avait été retenu en club pendant le rassemblement des Lions. L'autre nouvelle à ne pas oublier est que le capitaine Vincent Aboubakar, suite à un communiqué du médecin des Lions Indomptables, serait indisponible pour la première sortie des Lions. Le jeune Nathan Douala aurait promis de répondre aux invectives des uns et des autres sur le terrain lorsqu'il aurait un temps de jeu. Il faut rappeler que le sélectionneur-manager a décidé de faire confiance à beaucoup plus jeunes dont les prouesses de certains d'entre eux ont émerveillé le public camerounais tout entier. Le peuple ivoirien, dans son immense majorité, a le regard posé sur le Cameroun en ce jour de match. Nous prions donc les Lions de ne pas nous foutre la honte. Le 11 entrant de ce jour devra donner le ton à respecter durant toute la compétition sans aucune autre forme de procès. On ne négocie pas avec l'adversaire. Aucune concession. Le plus important n'est pas le beau football, mais le but. Le peuple camerounais tient à la victoire. Qui sera le gardien titulaire ce soir dans les cages du Cameroun? Nous attendons vos réponses en commentaire. Nous sommes ensemble pour la suite.